On se retrouve donc pour ce deuxième épisode sur les chroniques d'âme de Soul Calibur 6. Donc par rapport à tout à l'heure, par rapport à la dernière vidéo, on n'a pas bougé. Hein, donc vous voyez, on est toujours sur la chronique d'âme 5. Bien que l'entraînement ait duré 3 ans, tout a semblé passer en un clin d'œil. Le mal ancré en Kilik et Kali Yuga était maintenu sous contrôle du Dvapara Yuga. Mais en raison de la fragilité de la chose, Kilik ne se sentait pas en paix, putain. Que lorsqu'il s'entraînait. Donc là-dessus, on va lancer. Je vais enlever ma cam parce que finalement, c'est pas très pratique pour moi et pas très sympa pour vous laisser ma tronche de profil. Et je vous laisse. Le fight against the sensei. Bon. Bla bla bla. Là, je veux jouer. Là, c'est à moi de jouer. Moi aussi, je veux patater le papy. Ouais, la quête de soulèche. J'en connais un autre de mec qui avait un grand bâton et qui s'est baladé vers l'ouest qui s'appelait. Comment il s'appelait ce qu'on l'a? C'était Goku, je crois d'ailleurs. Non. Son Goku aussi qui s'appelle le singe dans un voyage vers l'Occident de je sais plus qui, d'un auteur chinois, là, le vieux con chinois. Chronique d'âme 6, l'aventure de Kilik commence. Plusieurs voies permettraient de partir vers l'ouest, mais celle qui était la plus empruntée était la voie des mers. Une fois sorti de la grotte, Kilik a traversé l'Himalaya avant de partir vers le sud à la recherche d'un pod. As long as you're heading west. So, can I join you? Sure, why not? But it could end up costing you a pretty penny. Huh? Hey, driver! Where's you going? This ain't the way to the dock! Huh? You deaf or something? What the? Oh. He's been consumed by evil. Damn, you leave me no choice. Laissez-moi jouer, j'espère que c'est un fight, bordel. Le mode histoire Chronique d'âme a vraiment beaucoup de blabla. Je sais pas si si l'autre le mode balance de l'âme a autant de blabla, mais. Ah, c'est un perso créé. Il utilise le style de Mitsurugi, on dirait. Mais je suis sorti de la ligne. Ça se fait pas, ça, monsieur l'arbitre. Ah,
Ouais, c'est clairement le style de Mitsubugi. You win. Je vais laisser un sou. Ah ouais, je... Oh. Serais-je à la hauteur? On peut accélérer un peu les dialogues. C'est trop. Kilik a retrouvé l'homme qu'il avait sauvé, un membre de l'équipage de Maxi, j'en étais sûr. Dans un port de la côte est de l'Inde, l'homme l'a conduit au bateau sur lequel il travaillait. Cependant, bien que celui-ci se rende effectivement à l'ouest, son capitaine Maxi était introuvable. Dès qu'ils ont dit pirate, ça pouvait être que Maxi. Enfin, je voyais pas trop vers qui ils allaient nous emmener, mais finalement. So, you're the guy who saved one of our own? On behalf of our captain Maxi, I welcome you aboard. But I'm gonna have to take that mirror from you till we hit land. Sound reasonable? This is one thing I can't give you. Why not? I'm just gonna hold on to it. It ain't like it's payment for your ride or nothing. This is a keepsake from my sister. A keepsake, eh? You know, I don't know what I'd have done if it weren't. Okay, fine. I like you. I'll go speak to Maxie for you. You're one of us now. Thank you. Don't mention it. Oh. It seems the captain has the trust of his crew. He ain't been back since he stepped on land. Probably got stuck at the bottom of the glass. What the? Désinfecté encore. Oh, Astaroth. Nous avons avec une armée d'hommes lézards. Comme le perso dans SC2, je suis plus son. Ah putain. C'est trop vieux pour moi. L'homme lézard. Ah mais du coup il combat pas comme l'homme lézard. Hein. Du coup. Vu que. Ah, putain, c'est un genre de survie. Oh, c'est trop bien. Merde.
Ah putain, mais... Il y a des fois, il veut pas sortir de la ligne. Ah, ça se rapproche déjà beaucoup plus du perso d'homme lézard qu'il y avait dans SC2. Le meilleur pour la fin. C'est beau. C'est beau, c'est beau. On va se battre contre Astaroth. Enfin un vrai adversaire. Le vrai adversaire enfin qu'on attendait. Ah putain, ils me mettent un truc comme ça. Capitaine Pirate Maxi, originaire de Ryukyu, a navigué à travers le monde avec son équipage. En quête de grandes aventures qui ont mené un port indien. En entendant un bruit, Maxi se dirigea vers son navire en pensant qu'une altercation y avait lieu. Et c'est en fait tout son équipage qui était attaqué. Moi. Oh putain, on va jouer Maxi. Avec le personnage qui a le moins de portée du monde. Putain. Lui, je crois que c'est Taki qui a le moins de portée après. Enfin, c'est le pire niveau portée. Oh putain. On va être Maxi contre Killy, quoi. Le mec qui a le moins d'allonge contre celui qui en a le plus. Là, je sais pas si Astaroth il a pas plus d'allonge. Non, je sais pas. Mais hein, clairement, Killy qui est un des persos qui a le plus d'allonge. Ça va être tendu du cul. Ah putain. Ah, l'avantage que j'avais. Je le manie pas du tout, Maxi. C'est un des persos avec lesquels j'ai le plus de mal. Merde. Double merde. Je peux lancer mon truc deux fois et la première fois je l'ai loupé parce qu'il était au sol et la deuxième fois je l'ai loupé parce que... Il m'a contré.
Switching music. Non, je déconne. Clairement, j'aime pas jouer Maxi. Nombre de morts là. En deux épisodes, on a un monastère qui a pris feu, tous les moines qui sont morts, et un équipage pirate qui est mort avec le navire qui a pris feu. C'est beau. Oh, super la revanche tabac en starot. Chronique d'âme 9, un affrontement guerrier. Maxi choisit de consoler Killik à son réveil plutôt que de le blâmer pour ses actions alors qu'il était déjà rongé de remords. En voyageant ensemble, Killik et Maxi devinrent de très bons amis, puis un jour un homme apparut devant eux, bloquant leur chemin. De qui s'agit-il? Vous le saurez au prochain numéro. Non, je déconne. C'est Mitsurugi, putain! Oh putain, Maxi contre Mitsurugi. Je veux pas jouer contre mon perso préféré. D'ailleurs, le vrai deal, ça va être Geralt contre Toby. Et là, le show sera très très dur. Bah ouais, mais t'as déjà été frappé. Putain, mais arrête de tourner. Putain, même pas de ringard. Je peux pas sortir. Heureusement qu'il est nul, hein. Putain. Ah putain. Heureusement que je suis pas doué non plus, hein. Je suppose que ça éjecte pas. Le parfait qui sort de nulle part. Tellement le PC est mauvais qu'en normal.
Non, 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 pas le ring out. Plus de peur que de mal, hein, sérieusement, sur cette game-là. Tellement je suis mauvais avec ce perso. Ok. Soul Edge. We've got our own beef with that. Well, this is quite a coincidence. Let me just give you this word of advice. Beware of the ninja Taki. Soul Edge and her go hand in hand. So long. Ce mec qui vient, qui me dit attention, méfiez-vous d'elle, et qui se casse. Ok. No idea. He put up a good fight. I'll give him that. Is everyone that's looking for Soul Edge like him? Just try not to overdo it, okay, Maxie? You worry too much. If anything, you're the one we need to keep. Oui, papa, Maxie. Non. Chronique d'un 10, une rencontre liée au destin. Kilik et Maxie ont voyagé vers l'ouest, arrivant finalement dans une ville, l'oasis du Moyen-Orient. Ah ouais, lieu de passage très fréquenté afin d'y chercher des informations sur Soul Edge. En cherchant de son côté, Kilik est arrivé dans un parc où il rencontra une jeune fille venue d'Asie. Tiens voir, voilà. Enfin, sans déconner, les arts ils sont tip top quand même. Why is he staring? They could be twins. Huh? Ling Shengsu? I've heard of it. My mother might have trained there when she was younger. She taught me how to use a sword. Admit it, you're impressed. Yeah, I am. You move very, gracefully. Are you traveling somewhere? Yeah, I'm heading west. Really? Me too. What are you doing around here? I just, you know, happened to be passing through. I see. It must be. Oui, flashback encore. Merci mec. I can't take my eye off you for 5 seconds, can I? No, it's not. We're going in the same direction. Thanks, Killick. I Okinou. Ah, je peux pas vous laisser là-dessus, hein. On n'a pas vu des masses de combat quand même. Le duo de Kilik et Maxi s'est formé en trio avec l'arrivée de Changhua, puis ils se dirigeaient vers l'ouest, plus leur conversation tournait autour de leur style de Soul Edge. Alors c'est le dernier chapitre qu'on fait ensemble et après. So he's the wielder of Soul Edge? If my investigations are correct, yeah. Kind of an over the top name, isn't it? Okay, let's go over everything. Bon, on a Astaroth, Ivy, Nightmare, Siegfried. He's friends with the jerk I'm after. A real piece of work called Astaroth. Then there's that lizard freak and a woman called Ivy. Hey, y est le... That's one hell of a crew. We could end up facing nightmares are like phantoms. Wherever they appear, they're monster. What do they want? Who knows? Killick, doesn't your master know? I don't know. Still, whatever we do,
I think our paths will cross at some point. Yeah, it's... Great. Oh mais putain, non mais... Non, j'attends le prochain combat, je coupe la... Alors que l'aventure des trois drills progressait, un mystérieux étranger apparut devant eux et tenta de s'approcher de Kilik. Que pouvait-il bien vouloir? Je pense qu'on aura le combat que je voulais pour arrêter la vidéo. Oh non! The order stands as it was. Understood. I will make contact. C'est gros. Greux. Je sais pas quoi c'est. Mon dieu, une cinématique. Let's fight! Go fight! Go fight! Allez! Let me fight! Et donc, Greux, là, gros, c'est celui qui m'a posé le plus de problèmes en arcade jusqu'à présent. Ah putain. Voilà. Oui. Victory. C'est ça d'avoir une toute petite portée. Ça varie tellement au niveau des dégâts. C'est un peu pourri ça. Ah putain. Ah putain, la bagarre qui est brisée par le machin.
Merde, putain. T'es fini. Bam. Oui. Okay. Killick, are you okay? Yes, fine. Tell me, Killick, who exactly are you? People seem out to get you. I apologize for getting you involved. Stop acting so formal. Fine. I'll open up first. I'm searching for Soul Edge too. Really? Oh la la. The Ming Empire. It's going through some hard times. In the hope of saving our land, the Emperor asked me directly to search, also known as Soul Edge. So that's what I'm trying. I may not look like one, but surprised? Surprise, motherfucker. I've been involved in this from the You're the first person I've told. It was supposed to be an Imperial secret. Does that affect things between us? Yeah, I guess so. I knew some time ago I would have to tell. So I'll just say it. Soul Edge is evil. It isn't gonna save your empire. Okay. If you say I thought it was a little strange. How could that so-called hero sword save? Okay, that settles it. I'm gonna stick with Putain, il faut pas grand chose pour la convaincre. À part mon gros bâton. Pardon. J'ai honte moi-même, putain. C'est ce que le papy Soul Master avait dit. Bon, par contre, là, ce coup-ci, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, hein, comme pour les autres, à partager. J'espère aussi que le rendu est meilleur que celle que j'ai fait sur l'arcade de Mitsurugi. Sachant que là, moi, je fais une session d'à peu près 3 vidéos. Donc je verrai tout ça qu'à la fin. Et ça me ferait chier de pas les publier. Donc de toute façon, elles seront publiées. Donc là-dessus, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao, bye bye.